Cotimara, c'est un roman d'aventure un peu particulier. Ça met en scène une jeune femme qui est écrivaine et qui a signé un contrat pour les exploits de Connemara, les aventures d'une jeune fille qui est à la fois aventurière, enquêtrice. Et ce contrat prévoit qu'elle doit en faire 6 par an. Et ses enfants lui disent: Maman, tu vas jamais t'en sortir, on va t'aider. Et toute la petite famille des grandes va se mettre à travailler pour cette écriture de série. Et puis un jour, la maman disparaît, elle va à Londres apporter un manuscrit, elle ne revient pas. Et la petite Emma, 6 ans, a une idée géniale. On va appeler Connemara à la rescousse. Elle est détective, elle va nous aider. Alors ses frères et sœurs disent: Mais Connemara n'existe pas. Et puis on sonne à la porte, Connie est là. Connemara, pour moi, elle est vraiment inspirée complètement de Fantomette, de Alice Détective, de tous ces personnages des séries que je lisais quand j'étais enfant, qui étaient à la fois des enfants absolument qui me ressemblaient beaucoup, parce qu'ils étaient collégiens, ils avaient une vie familiale, mais qui vivaient des aventures extraordinaires. Et quand j'étais enfant, je rêvais d'être l'un de ces personnages-là, ou mieux encore, que l'un de ces personnages-là vienne me voir un jour et me propose de participer à une de leurs enquêtes. Je suis frappé dans mon travail d'écrivain comme les aventures que l'on invente et les personnages que l'on invente finissent par s'incarner tellement puissamment qu'on a l'impression que ces personnages existent vraiment. Et je pensais à ces héros des romans d'aventure qui subissent en permanence toutes les avanies qu'on peut leur inventer pour le plus grand plaisir du lecteur, qui vont de péril en catastrophe, d'épreuves à surmonter en chausse-trappe. Et je me suis dit, ça serait intéressant de faire en sorte que tout d'un coup, ce personnage de pure fiction, qui a subi tant de difficultés inventées par le créateur, vienne demander des comptes à son créateur en lui disant, ben voilà, moi je... C'est un peu facile. De ton côté, tu es derrière ton ordinateur, tu fais rien, et puis tu m'envoies au casse-pipe. Maintenant, si on inversait les choses, si c'était toi, auteur, qui partais à l'aventure, tu vas voir ce que ça fait que de vivre des aventures en vrai. Et c'est ce qui arrive aux petits Grant, parce que Connie va les aider, va leur donner quelques pistes, mais elle va leur dire maintenant, moi, je vous laisse vous débrouiller, moi j'en ai assez, je rêve de soirée pyjama, je rêve de repos, je rêve de profiter de cette maison, je m'occupe de la petite Emma, voilà, à vous de partir à l'aventure. C'est vrai que dans la littérature traditionnelle que j'ai pu connaître, les filles avaient souvent, à part les quelques séries dont on a parlé, un rôle secondaire. Alors que moi, je trouve très intéressant de pouvoir créer des personnages féminins parce qu'on a l'impression qu'elles partent souvent avec une forme de handicap. Le fait d'être filles ne les rend pas a priori susceptibles de pouvoir mener ces enquêtes, vivre ces aventures qu'on prêtait autrefois aux garçons. Je trouve que ça donne à l'histoire une dimension supplémentaire. Et livre après livre, je m'aperçois que je crée de plus en plus d'héroïnes féminines. Il y a eu Mimsy Pocket, il y a eu Olympe de Roc d'Or, et Connemara, je crois, est dans le droit fil de ces personnages-là qui ont une espèce d'énergie, d'insolence et d'envie de montrer qu'elles ne sont pas simplement cantonnées à la place que la société veut bien leur accorder.